Salam les impacteurs, j'espère que vous allez bien. Alors hop, tac tac tac. Génial. Donc je vais juste vous demander un petit instant le temps de me connecter. Je suis un petit peu en retard. Tac tac. Alors en attendant, n'hésitez pas à me dire si vous avez bien le son, l'image et que tout est OK à ce niveau-là. Ça m'arrangerait, Inch'Allah. Alors hop. D'accord. Donc, salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, alors, pour ceux qui n'ont pas suivi donc l'annonce, donc aujourd'hui, donc on a le plaisir d'accueillir Rachid du site Rajul Health. Alors, désolé pour mon anglais. Donc, l'objectif, ça va être de parler de comment booster ton énergie avant et pendant le Ramadan. D'accord? C'est un sujet qui est très pertinent parce que c'est un sujet qui, voilà, le Ramadan arrive bientôt. Alaykoum salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Et même moi, en réalité, j'ai plein de questions à poser à Rachid. Donc, je vais tout de suite lui donner la parole dans un petit instant, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Rachid. Walaikum salam wa rahmatullahi wa Bouge pas, barakatuh. Tu j'ai un petit m'entends? problème de son. J'ai un petit problème de son, Vas-y. j'arrive tout de suite. Ok. Ok. Hop. Ok, ça m'a comme désolé Rachid. Hop, Il n'y a pas de souci. si ça fonctionne comme ça. M'a comme Walaikum salam wa rahmatullah. magnifique, je t'entends. Alhamdulillah. Super. Alhamdulillah. Désolé, c'est Il les n'y a aléas pas de du mal, il n'y a direct, pas de comme tu souci. sais. Ouais. C'est bien chez Salam vous. alaykoum wa rahmatullah, j'espère que tu vas bien. Alors je vais Ouais. tester rapidement te présenter. Même Ouais. si, alhamdoulillah, on te connaît sur le groupe, mais voilà, comme le live va rester en D'accord. replay, l'objectif Ok. c'est d'expliquer ce que tu fais. Ok, ça marche. Donc moi, donc Rachid Aitmoulaye, donc j'ai 37 ans, je suis coach sportif et nutrition. Donc, en gros, j'utilise les outils du coaching sportif et de la nutrition justement à destination des hommes exclusivement pour pouvoir les aider justement à être plus en forme, à prendre soin de leur corps de manière globale. Et plus dans le détail, j'essaie de comprendre la manière dont mes clients fonctionnent justement pour pouvoir pérenniser dans le long terme. Parce que la plupart du temps, on se rend compte que beaucoup de personnes pratiquent le sport, pratiquent l'activité physique ou adoptent telle ou telle diète, mais ne tiennent pas sur le long terme. Donc moi, l'idée pour moi, c'est vraiment d'impulser un changement. Au-delà juste de faire faire du sport ou de faire faire arrêter le sucre à certaines personnes, etc. Donc, je suis aussi D'accord. blogueur donc, sur le site rajulself.fr. J'ai une chaîne YouTube, donc du même nom, un compte Instagram. Et je suis créateur du mouvement Les Healthy Rajul, donc les hommes en santé. À côté de ça, je fais un peu de préparation physique, sport de combat, baseball, course d'obstacles. Et je D'accord. suis ancien athlète de haut niveau en taekwondo. Voilà. Et puis, je suis partenaire de l'ONG Nouvelle Optique depuis peu, suite à ton challenge. Ah, j'ai Horizon oublié. Challenge. Power Zone, voilà, Horizon exactement. Exactement. J'ai Mashallah. oublié Power, voilà. Ok, c'est Barakallahou Fik. En tout cas, franchement, tu sais quoi, est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? C'est-à-dire que qu'est-ce qui a fait que tu as créé ce site internet? Ce site internet et tout ce D'accord. mouvement, en fait. Ok. Mais en fait, pour essayer de résumer, après, tu n'hésiteras pas à poser des questions parce que le Bien chemin, il a sûr. été super long, en fait. Donc, initialement, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, j'étais un enfant assez malade. En fait, en CM2, 6e, j'étais hospitalisé deux fois. Donc, une fois en CM2, une fois en 6e. Et puis, les différents médecins que j'ai rencontrés, on a eu un qui m'a particulièrement marqué. Il me disait qu'il y a certains athlètes de haut niveau qui ont été malades. Donc, moi, ma deuxième maladie, c'était de l'asthme. Mais j'étais hospitalisé 9 jours pour une crise d'asthme très, très sévère. J'avais un traitement lourd, etc. Et il me disait qu'il y a des athlètes de haut niveau qui étaient également asthmatiques. Donc, moi, je me disais, j'y croyais pas. Tu sais, les
croyances limitantes, etc. Ouais. Donc, pour moi, le sport, c'était impossible. Tu vois, c'était pour les gars forts. Moi, tu sais, je comptais pour du beurre dans les jeux et tout, tu vois. Donc, voilà. Ça, c'était et quoi puis, c'était en CM2, c'est ça? Ouais, c'est 6e, j'ai fait la crise d'asthme, mais même CM1, CM2, tu vois, j'étais petite gaufrette. Enfin, voilà, je suis pas très épais aujourd'hui non plus. Mais disons que, voilà, j'étais pas vraiment le petit garçon fort, etc. Même si j'aimais les arts martiaux, voilà, c'était pas pour moi, dans ma tête, en tout cas, c'était pas pour moi. C'était pas possible, ok. C'était pas possible. Donc, je tombe sur ce médecin qui me dit ça, et puis je me dis, ben, tiens, je vais commencer par quelque chose de light, je vais commencer par courir. Et je me souviens que ma mère, elle m'avait acheté un petit ensemble, c'est des barres shorts là, c'est Marathon de Paris, tu vois. T'inquiète, on connaît bien. On connaissait, c'est du marché de Montreuil, là, tu vois, le truc. 5-30, tu vois. Et je commence à faire, à l'époque, moi, tu sais, j'habitais à Porte de Vincennes, je faisais Porte de Vincennes, Porte Dorée. Pour moi, déjà, c'était un truc de ouf, tu vois, j'étais super heureux. Tu vois, je me rappelle comme si c'était hier. Pourtant, j'ai fait ça la première fois en 6e. Donc, quelques mois après mon hospitalisation. Et je me sentais tellement bien, tu vois, après avoir fait ce petit kilomètre, avoir transpiré et tout. Je kiffais, tu vois. Et puis, j'augmentais la dose petit à petit. J'allais de plus en plus loin comme ça. Et puis, c'était l'époque, tu sais, les grands frères à l'époque, ils faisaient de la boxe thaï, du kick et tout. T'as dû connaître ça, oui. Ça. Bah, voilà. Oui. Tu sais, quand les combats, ils passaient sur Canal+, et tout. C'était la vraie mode de la thaïlandaise, comme aujourd'hui. C'est grave, maintenant. Grave. Voilà, tu vois. Et moi, pour moi, bon, je kiffais les sports de combat, mais pour moi, rentrer tout de suite par la taille, je me suis dit, c'est chaud. J'avais pas encore le. Donc, je me suis dit, je vais peut-être rentrer par un art martial. J'ai cherché. Puis, en été, je vais au Maroc et puis je tombe sur mon cousin. Il avait fait un an de taekwondo, tu vois. Et il était ceinture jaune. Et il faisait des super coups de pied en mode Bruce Lee, tout ça. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, tu vois. Tac, c'est ça. Et tout s'est enchaîné après. Je rentre à la maison, je rentre du bled, j'ouvre la boîte aux lettres, je vois ticket loisir, tu sais, te donne 1000 francs pour faire du sport. Tu sais, la CAF, elle te donne 1000 francs et tu finances. Oui, 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 exact. Et voilà. Donc, moi, direct, tu sais, mon père, je ne voulais pas se casser la tête. Il me dit, débrouille-toi, tu vas aller voir. Moi, je ne veux pas me prendre la tête avec ces trucs-là. Donc, je prends le truc, je vais au centre, enfin, à la CAF, je fais les démarches, je me trouve un club de taekwondo. Dans les 1000 francs, je pouvais faire qu'un cours par semaine. J'aurais voulu en faire deux, mais les 1000 francs, ils comprenaient un cours et la tenue, pile poil. La tenue, la ceinture, un cours par semaine pour commencer. Alhamdoulilah, tu vois. Et donc, je trouve mon club et tout. Je me souviendrai toujours de mon premier cours, tu vois. Tu sais, déjà, on arrive dans la salle, que des mecs. 40 bonhommes, il n'y a pas une fille. Pas de protection. Alors qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Exactement, ouais, c'est ça, tu vois. Mais ce qui était ouf, c'est une salle en fait vraiment à l'ancienne, tu vois. Petite salle, exiguë, ça sentait des pieds. C'est un truc de ouf, tu vois. Ah ouais, c'est genre. Il y avait une odeur de ouf partout, même dans le vestiaire et tout. Tu sais, il fallait le vouloir, tu vois, c'est un truc de ouf. Mais moi, je voulais, tu vois, je voulais apprendre, tu vois, quitte à me prendre des trucs, je voulais apprendre. Et on était 40 que des gars, il n'y avait pas de protection, walou, 2-3 raquettes pour taper, 2-3 pas haut, tu sais. Et à la fin, on faisait des combats sans protection. L'entraîneur, il me met avec une ceinture jaune, putain, j'étais en panique et tout. Moi, tu sais, je viens de commencer, c'était mon premier cours. J'essaie de me défendre comme je peux. Je me prends un coup là, je voyais les néons et tout. J'essaie de tenir jusqu'à la fin du combat, j'ai tenu. Et je me souviens qu'il y a un gars qui m'a dit, ça c'était en 93, hein, t'imagines, hein, c'était il y a longtemps. Ouais. Et je me souviens qu'il y a un gars qui est devenu un de mes potes aujourd'hui qui me disait, lui était ceinture jaune à l'époque, tu vois. Il me disait, toi le nouveau là, tu ferais mieux de te mettre au golf. Ça m'étonne ça. Ma parole lui m'a dit ça. Et je sais pas si c'était inconscient, mais je me suis juré de pas abandonner, tu vois. Et 93, 98, moi j'étais ceinture noire, 99, partenaire d'entraînement pré-Pôle France. Et 2004-2005, j'ai 2 sélections en équipe du Maroc. D'accord, magnifique. Tu sais quoi, je vais juste ouvrir une parenthèse parce que c'est super important. Il y a deux passages de ton parcours qui me paraissent importants de relever. C'est ouais. Le jour où le médecin te dit, bien sûr qu'il y a des sportifs de haut niveau qui sont asthmatiques et qui font du sport. Donc déjà, ouais. Encouragement, ce qui t'a donné envie de te dépasser et d'aller plus loin. Ça a cassé, si tu veux, un peu une croyance. Parce qu'en plus, nous, ouais. T'as vu à l'ancienne, ici aussi, c'est un petit peu comme ça, tu vois. Le médecin, quand il dit quelque chose, même si ça n'a rien à voir avec la médecine, c'est le médecin qui a dit.
ça, donc c'est bon. Ça, ça casse toutes les croyances. Ouais, amen, c'est bon. S'il donne des conseils sur l'éducation, c'est bon, le médecin a dit c'est que... Bon. Donc, c'est le docteur qui parle. Ça, c'est génial. Donc, il ne faut pas hésiter un seul instant à s'encourager mutuellement. Tu vois, vraiment, ça a un impact. Parce que peut-être que tu vas encourager quelqu'un, ça ne va pas l'impacter. Peut-être qu'une autre personne, ça va la marquer à vie parce qu'elle aura beaucoup de respect pour toi et que ce que tu dis, c'est important. Et ça va l'aider à se dépasser. Et le deuxième événement, là, c'est quand il dit « tu devrais aller jouer au golf ». Donc, c'est pareil, en fait. Ouais. Toi, c'était un peu une taquinerie. Mais en même temps, toi, ça t'a donné envie de lui prouver le contraire. Exactement, d'accord, c'est ça. Ouais. Donc, tout est là en réalité, si tu regardes bien. Parce que les compétences, hein, tout le monde en a. Mais tout est là. Si tu casses des croyances ou si tu te motives, quel que soit ce que tu reçois, l'obstacle que tu trouves sur ton chemin, alhamdoulilah, tu y arrives. Exactement. Et qu'est-ce qui t'a amené à la nutrition, après et, parce que là, aujourd'hui, tu es multicasquette, tu proposes énormément de choses. Ouais. On va dire que c'est une approche holistique ou plutôt globale. C'est ça, exactement. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé des sports de combat à cette approche holistique? Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, en tant que lorsque j'étais athlète de haut niveau, j'étais étudiant en parallèle. Je faisais pas du tout d'études dans le domaine sportif, nutritionnel, etc. Je faisais des études en audit et contrôle gestion. Donc, je suis passé d'un BEP compta à un master en audit et contrôle gestion. Et mon job étudiant, c'était de coacher, en fait. J'aimais transmettre, en fait, ce que j'avais appris déjà sur le côté coaching sportif. En fait, je réadaptais les outils taekwondo, surtout sur le côté préparation physique, etc., soit à des potes qui avaient besoin eux-mêmes d'un préparateur physique, soit à des potes, par exemple, j'avais un pote, bon, méthode un peu barbare, mais j'ai un pote, je lui ai fait perdre 10 kilos en un mois, tu vois, en 2001, tu vois. Ah ouais. 10 kilos en un mois, mon gars. Mais c'était... Comment, il a vécu dans une grotte, soupe, toute la journée. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une espèce de canicule déjà sur ce mois de juillet. On s'entraînait 5 fois par semaine, donc j'ai un entraînement de fou et bouffais quasiment que de la salade. Bon, je ne le recommande pas aujourd'hui avec le savoir que j'ai, mais ça a été efficace, tu vois. Ça a été efficace. Le gars, il a perdu sa peau. Voilà, exactement. Il avait, je sais pas, une dizaine de jeans 500. Il a dû tous les faire reprendre. T'imagines? Il les a tous reprendre. Il y a Ahmed qui dit, le médecin a dit à mon père que le tennis était un bon sport, j'ai failli faire du tennis. Ah, il a failli faire des regards. Donc, quoi, je te disais, donc j'ai fait ça, j'ai avancé là-dessus. Après, donc en fait, une fois que j'ai terminé mes études, je me suis retrouvé dans le consulting. Donc, c'est un boulot qui est très, très stressant, très, très physique. Enfin, voilà, tu as des déplacements, etc. Et pour ceux qui connaissent pas, en gros, on t'envoie dans les entreprises là où il y a le feu. On t'envoie jamais dans des contextes sereins, etc. On t'envoie toujours pour régler des choses, soit qu'en interne, il n'y a personne qui est capable de régler, soit pour faire des trucs que personne ne veut faire. Enfin, c'est toujours des galères, tu vois. C'est jamais, tu arrives, tu fais contrôle sup, tu réserves ton voyage sur lasmoot.com. Ça, moi, j'ai pas connu, tu vois. C'est dingue, tu vois. Ouais, dès qu'il y a le feu, c'est toi qu'on envoyait. Voilà, c'est ça. Ben, c'est consulting, en gros, c'est ça. La définition même du consulting, c'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai développé, en fait, j'étais pas mal stressé à ce moment-là, etc. Tu vois, ça. Et du jour au lendemain, je suis passé d'un moment donné où j'étais athlète de haut niveau, où je m'entraînais 14 heures par semaine, à un moment donné où je pouvais plus du tout m'entraîner. Donc, j'ai plus d'exutoire. Je pouvais plus m'entraîner. Je passais mon temps derrière un PC sur du Excel, etc. Et je l'ai vraiment très mal vécu, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à développer des petits problèmes de santé, tu vois, qui sont un petit peu enchaînés, tu vois, des problèmes d'estomac, digestion, des chutes de tension, des choses comme ça. Et puis, ça a amené à un moment donné même un changement de mindset, dans le sens où moi, quand je suis rentré dans ce cabinet-là, pour moi, c'était comme ça qu'il fallait être, tu vois. Les gars, c'était des requins, ils étaient mauvais, il n'y a aucune empathie, rien du tout, tu vois. Et du coup, moi, au fur et à mesure, je commençais à me transformer, en fait, être un peu comme ça. Sauf que quand tu vas contre ta nature, à un moment donné, ça a un conflit interne qui génère forcément des problématiques. Et puis, je me suis retrouvé de plus en plus avec des problèmes de santé qui augmentaient. Et puis, à un moment donné, j'ai fait un burn-out très, très, très sévère avec des grosses pertes de poids. Déjà, je n'étais pas épais, des gros problèmes de circulation sanguine, vraiment des choses très, très dures où j'ai, à un moment donné, passé une année de ma vie qui était très, très difficile.
Et du coup, c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ce qui est médecine alternative, parce que j'étais vachement déçu par la médecine allopathique. Quand j'ai eu des problèmes de santé, j'ai été voir des tas et des tas de spécialistes. Il y en a même qui m'ont dit, un médecin qui m'a dit, je peux rien faire pour vous, tu vois. Écoute, j'étais au Maroc, ouais. Un membre de la famille me dit qu'il va chez le médecin. Ouais. Le médecin lui dit quoi ? Non mais regarde le truc de fou qu'il lui dit. Il lui dit, ouais. Comment ça se fait ? Tu sais, il prend sa tension, bref tout. Il lui dit, comment ouais. ça se fait que vous êtes encore debout ? Et le gars, en fait, après ce rendez-vous-là, il est tombé malade de ouf. Tu vois ? Bah oui, forcément. Lui dit, comment ça se fait ? Normalement, vous ne devriez même pas être debout. Et le gars, ouais. il est tombé malade. Et il me raconte ça. Il me dit, le médecin, il avait vu que. Lui, il n'a même pas capté que c'était le médecin qui l'avait rendu malade. Il a dit, le médecin, il m'a dit, mais comment ça se fait que c'est. Je dis, mais c'est lui qui t'a rendu malade. En te disant ça, il crée une croyance tout de suite, tu vois. C'est ça, exactement. Ah, c'est ça. Et exactement. C'est vrai ce que tu dis, parce qu'en plus, j'avais lu ça une fois dans un bouquet. Et ça, c'était une histoire vraie où il y avait un gars qui s'était trompé dans l'interprétation d'une prise de sang. Et du coup, le gars, ça l'a tout de suite, tu sais, il lui a sorti un truc de ouf par rapport à ses reins, tout ça. Le gars était avec un ami à lui quand il était voir le médecin. Du coup, ses jambes, elles ne le tenaient plus. Il est tombé, il est resté allongé pendant je ne sais pas combien de temps. Et du coup, je crois qu'il y avait un ami à lui qui s'y connaissait un petit peu, qui lui a dit, mais va faire une contre-visite, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de grave dans ta prise de sang. Il a été voir un autre médecin, il lui a confirmé qu'il n'y avait rien, et tout de suite, il allait mieux. Comme quoi, le psyché oui, peut vraiment impacter énormément. Voilà, et c'est exactement pour rebondir sur ça, c'est ce qui s'est passé pour moi. Ça a démarré de là et puis ça a tout déréglé en fait. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la naturopathie, la médecine chinoise, à la nutrition. J'ai rencontré D'accord. des personnes, des experts, j'ai rencontré pas mal de monde. Je suis allé même voir des personnes qui ont écrit des bouquins, je me suis déplacé et tout. Et non seulement ça m'a nourri moi intellectuellement parce que je me suis découvert vraiment une passion pour tout ça, pour tout ce qui est santé, etc. Mais j'ai décidé de l'inclure lorsque j'allais revenir entre guillemets au boulot entre guillemets, de l'inclure dans ma méthodologie. Tu vois tout ce qui est nutrition, outils naturopathiques, etc. Parce que c'est des mécanismes qui peuvent te permettre de prévenir en fait. Parce que l'idée c'est ça aujourd'hui on est dans un monde ou tout fait pour qu'on glisse vers la pathologie, tu vois. Alors qu'il y a des tas de mécanismes qui peuvent nous permettre justement de nous prémunir de ça. Mais les gens ne sont pas forcément au courant ou les négligent malheureusement par manque de temps. Bah justement, tu sais quoi, quand j'étais à Roubaix, donc lors d'une une intervenante a dit que pendant le Ramadan, pour rebondir sur le Ramadan, pendant le Ramadan, les urgences étaient blindées de mousselines. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça l'a fait sourire aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, en fait, genre, elle a sorti quelque chose de très pertinent. Elle a dit, en fait, on dit, c'est vrai qu'on avait cette expression à l'ancienne où on disait, on casse le jeûne. Tu vois ? Elle a dit, le jeûne, déjà, à la base, c'est un truc positif. Et nous, on a dit, on casse le jeûne. Genre, tu sais, c'est une bagarre, tu vois. Les tables sont blindées. Et donc, on casse le but, mon gars, c'est ça. Et tu vois, tu te retrouves à l'hôpital. Donc, ouais. Pour rebondir sur ça, justement, et pour faire le parallèle avec le sujet du jour, comment doit-on manger pendant le Ramadan ? Est-ce que ça a un lien avec l'énergie aussi ? Comment on peut faire, en fait, pour... Parce qu'en fait, c'est vrai que nous, le Ramadan, déjà, il y a une question de mindset. Je veux dire, à la base, c'est quelque chose de très spirituel. Nous, on le voit comme une épreuve. Genre, je sais pas, je vais faire le marathon de Paris ou... Non, en fait, c'est quelque chose de positif. Donc, est-ce que ça aussi, le fait de l'interpréter de cette façon-là, ça ne joue pas aussi sur notre énergie de façon négative ? Donc, ça fait plein de questions. Ouais, il y a pas mal de questions, mais c'est vachement pertinent ce que tu dis parce que c'est exactement, je pense, et moi, c'était les questions que je me posais aussi en amont. Et par rapport à, pour rebondir sur ce que disait cette sœur, c'est exactement ce que j'ai publié une vidéo sur comment préparer le mois de Ramadan l'année dernière et c'est exactement ce que je disais. C'est que les urgences gastro-entérologiques, elles sont blindées, mon frère, pendant le mois de Ramadan. C'est un truc de fou. Parce que, comme tu disais, on casse le jeûne, on est dans une optique de se remplir. Et c'est pas forcément ce qui est préconisé, quoi, tu vois. Donc après, moi, je vois deux choses, en fait, dans ce que tu dis. C'est déjà, dans un premier temps, c'est comme tout. Comme toute période, tu vois, qui nécessite de l'énergie, qui est particulière dans le mois, il faut une préparation.
Et durant cette préparation, il y a différentes choses, il y a différents points à aborder. Donc, la première chose, c'est déjà de commencer à travailler sur son stress de manière progressive. Pourquoi ? Parce que le stress est une des causes de... Enfin, c'est un des points qui te grignote le plus ton énergie, en fait. Donc, lorsque tu es stressé, on le voit, quelqu'un qui est stressé pour ses examens ou quelque chose comme ça, dès qu'il passe ses examens, punaise, il est KO, il est capable de dormir 8 heures d'un coup sur une sieste. Je sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas. Oui, c'est clair, clairement. Toi, tu fais ton super lancement, tu es en panique, tu es en stress pendant 72 heures. Ouais. Quand tu as fini, tu dors après, toi, tu vois. Tu sais quoi, quand j'ai fini un lancement, vraiment, si ça m'a pris beaucoup de temps et que j'ai tout fait, il me faut 3-4 jours pour récupérer, où j'ai plus du tout d'énergie, en fait. Tu vois, voilà, parce qu'en fait, cet aspect adrénaline, t'es là, tu fais des trucs, ouais. Machin, t'es dans l'action, tu sens pas trop la fatigue. Et c'est ça, en fait, qui peut être traître aussi. Et après le lancement, c'est big repos, tu vois. C'est ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que sur les reins, on a deux petites glandes qui sont de la taille d'un haricot, ça s'appelle glandes surrénales, et c'est nos batteries, en fait. C'est elles qui produisent l'adrénaline, etc. Et lorsque tu les crèves, c'est très, très long à recharger, tu vois. Donc c'est ce qui est tout à fait normal quand tu produis beaucoup, beaucoup de cortisol, d'adrénaline, etc. À un moment donné, il faut que ces petites glandes la récupèrent. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de temps. Donc, ce qu'il faut, c'est avant Ramadan, déjà, essayer de diminuer les niveaux de stress parce que c'est ça qui consomme beaucoup d'énergie aussi dans le cadre de nos journées. Donc, ça peut se faire via de la méditation en pleine conscience, c'est-à-dire déjà méditer sur la création d'Allah Azzawajal, ça, c'est déjà très bien. Méditer aussi en mode sophrologique, c'est-à-dire à fermer les yeux, se concentrer sur les battements de son cœur, se concentrer sur différentes parties de son corps, se concentrer sur sa respiration, d'accord ? J'en viens à la respiration, on peut adopter aussi la respiration abdominale, allongée, essayer de respirer avec le ventre, ça c'est intéressant. Et la cohérence cardiaque également, qui est un bel outil, d'accord ? Où on peut travailler en... extraordinaire, voilà. Que j'ai découvert cette année, que je ne connaissais pas. Et honnêtement, c'est juste extraordinaire. C'est, ça te redonne de l'énergie, ça te recharge les batteries. Ça te rend plus vif d'esprit quand tu as besoin de travailler sur un truc, tu te mets en cohérence cardiaque. Bah, en fait, tu travailles beaucoup mieux, t'es focus. Et tout ça, franchement, je l'ai découvert cette année à travers donc deux sœurs, Firdaus et Bouchra, qui ont participé à Mission Impossible et qui ont partagé cette pépite avec les membres. C'est juste extraordinaire. Ouais. Tu vois, comme quoi, subhanallah, en vérité, on ne respire même pas correctement toute la journée. Exactement, c'est la base. C'est la base. Notre première nourriture, c'est l'oxygène. Donc, si on ne respire pas correctement, on n'ira pas loin, entre guillemets. Donc, la cohérence cardiaque, c'est un bel outil aussi. Et puis, bah, tout simplement, un excellent moyen de contrôler son stress si on a du mal à faire tout ça, c'est une balade en forêt, en marchant tranquillement, en respirant, en pleine conscience, tout simplement, en observant les arbres. Rien que ça, déjà, ça va t'aider à diminuer tes niveaux de stress. Donc ça c'est important. Après, la deuxième chose, c'est faire ses armes d'un point de vue sommeil. C'est très, très important. Moi, la plupart des personnes qui me disent qu'ils sont KO pendant Ramadan, c'est pas forcément sur problématique de faim ou de soif. Même certains, c'est la soif. C'est surtout le manque de sommeil. Et pour ça, il faut vraiment faire ses réserves en amont. Et le meilleur moyen de les faire, c'est en fait... Les semaines qui précèdent Ramadan, c'est vraiment se mettre au lit juste après l'achat, salat l'achat, direct. Okay. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment travailler sur un rituel qui te permette justement de t'amener dans un état proche du sommeil, de te préparer en amont, éviter les écrans bleus à partir de 19h, par exemple. Pardon. Donc, écran bleu à partir de 19h, téléphone, réseaux sociaux, enfin, toutes ces choses-là. Plutôt être dans de la lecture, dans des activités qui permettent d'instaurer, entre guillemets, la détente, comme le dessin, des choses comme ça. Donc ça peut être bien. Dîner tôt et idéalement, peut-être faire une petite balade digestive après, même ces 5 minutes. Tu vois, comme ça permet d'actionner le mécanisme de digestion et derrière, de pouvoir s'endormir tranquillement, pas trop tard, et pour pouvoir vraiment avoir une nuit de sommeil très réparatrice. C'est pas pour rien que les grands-mères disent qu'avant minuit, les heures comptent double. Ça veut dire que c'est un vieil adage, mais qui est vérifié scientifiquement dans le sens où le système cardio-pulmonaire se repose, enfin, récupère entre 22h et 4h du mat.
Et en médecine chinoise, on dit que les glandes surrénales, celles que je te disais tout à l'heure, qui sont les batteries du corps, se régénèrent entre guillemets entre 21h et minuit 1h du matin. D'accord, ok. Mais ok. Franchement, c'est super intéressant. Maintenant, ouais. si on veut, pendant le ramadan, avoir ouais. un maximum d'énergie pour pouvoir donc jeûner, se réveiller au sahur, faire le taraweh, bref, vraiment, c'est être pleinement dans la spiritualité pendant le mois du ramadan, sachant qu'on est parents, qu'on a des enfants, qu'il faut se réveiller ouais. le matin très tôt, les emmener. Ouais. Est-ce qu'on se réserve un petit moment dans la journée pour faire une sieste? Comment on fait pour avoir une énergie au top pendant tout le mois? Bah, ce qui pour moi est important, c'est effectivement, voilà, tout va dépendre du contexte. Lorsqu'on est seul ou qu'on est encore en famille, enfin, chez les parents, etc., bon, là, on peut mieux régler, entre guillemets, ses temps de récupération, ses sommeils, etc. Mais là, effectivement, surtout si on a des enfants, et comme on le sait, les enfants sont toujours actifs, c'est des, eux, ils ont encore leur énergie, etc. Oui, c'est ça. Donc, c'est très, très important, voilà, c'est très, très important de se ménager, comme tu disais, des petites périodes comme ça, de récupération, soit lorsque les enfants sont à l'école, lorsqu'ils sont dans des activités, etc. C'est primordial justement de s'aménager comme ça des micro-siestes, parce que ça va permettre justement de récupérer, d'être dans un état où on est moins en dette de sommeil. Parce que ce qui va se passer au fur et à mesure des jours de Ramadan, c'est qu'à un moment donné, on va se retrouver avec une dette de sommeil qui est tellement importante que bah, à partir du moment où il y a la dette, bah forcément tu vas avoir les impacts derrière, ta réflexion elle sera moins efficace, tu auras du mal à être concentré, et même en termes d'élimination, parce que lorsque tu dors tu élimines l'acide phosphorique que t'as dans le cerveau, en fait. C'est pour ça que des fois avant de se coucher les idées sont pas claires, on dit dors, et puis lorsque tu te réveilles le matin, bah c'est plus clair, en fait. C'est grâce à ça, en fait, c'est que t'as ton cerveau qui se nettoie. Et il y a aussi, tu sais, le fait de... Ça, c'est un truc que j'ai découvert il y a 2 ans. C'est quand ouais. t'as besoin d'avoir de la créativité, de l'imagination, ce que tu fais, enfin moi, ce que je fais, c'est qu'avant de dormir, je me persuade à moi-même que je me dis, demain, je vais me réveiller, je vais avoir plein d'idées, je vais être motivé, je vais avoir la pêche. Et ouais. c'est ce qui se passe. Subhanallah, c'est ouais. quand je fais ce travail-là avant de dormir, je me réveille donc avant que le réveil ne sonne. Donc déjà, je suis programmé pour me réveiller à une certaine heure et le cerveau sait ouais. à quel moment est cette heure-là. Et je me réveille et je suis ouais. motivé, j'ai plein d'idées. C'est comme si tu programmais la veille pour le lendemain. J'avais lu ça dans un bouquin, j'ai essayé et franchement, ça marche extrêmement bien. Ouais, c'est ça, c'est un travail de conditionnement, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est ça. Ok. Alors, je crois que j'ai vu ça sur un truc, ouais. J'avais déjà vu ça, je pense, sur un bouquin, ouais. Alors, comment on gère l'hydratation? Excellente question. Alors, l'hydratation. Alors, pendant le ramadan, moi, ce que je suggère, c'est déjà de... Parce qu'il y a souvent une habitude qui fait qu'on se lève vraiment très, très peu de temps avant Imsak ou très, très peu de temps avant Fajr. Et on mange assez vite, on boit vite fait. Il y en a qui disent, excuse-moi, il y en a qui disent qu'il faut boire. Oui, oui. ouais, c'est important de boire, effectivement, pour gérer l'hydratation. En fait, est-ce que pendant les moments où justement on peut manger, on peut boire et tout, est-ce qu'il ne faut pas bien faire le plein de, Ouais, c'est ça. En fait, faut être stratégique là-dessus. Donc déjà, on va prendre la problématique du sport et après on va parler de l'iftar, inchallah. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est se lever suffisamment de temps avant le Fajr ou avant Imsak pour avoir le temps de bien boire, d'accord? Donc moi, ce que je suggère, c'est de se lever entre 45 minutes et 1 heure avant pour pouvoir avoir le temps de boire entre 1 et 3 grands verres d'eau tiède avec du curcuma, d'accord? Pincée de curcuma, gingembre, d'accord? Gingembre au pilon, d'accord? Idéalement, un peu de vinaigre de cidre qui facilite l'assimilation des vitamines et qui va booster la digestion, et une petite pincée de poivre qui va multiplier le pouvoir du curcuma. D'accord? Ça, c'est une panacée, c'est un super breuvage qui va avoir des effets détox, des effets anti-inflammatoires, qui va vraiment prendre soin de tout le tube digestif juste avant de manger. D'accord? Donc, faire ça, d'accord? Boire 1 à 3 grands verres tranquillement, attendre à peu près 10-15 minutes, et là, manger des fruits.
D'accord? Ce qui est très important le matin, c'est manger des fruits et des fruits, on va dire, consistants comme de la banane, des pommes, ce genre de choses. Et après, pour les personnes qui ont du mal à tenir, manger des céréales, index glycémique bas. Moi, ce que je suggère, c'est flocons de sarrasin. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus digeste que le blé qui présente la problématique du gluten qu'on connaît tous, quoi. Et tu conseilles pas viande, tout ça, le matin, tagine? Non, c'est une chose. Non, c'est... Regarde. En fait, tu sais, tout à l'heure, quand on parlait d'énergie, sachez une chose, c'est que la digestion, c'est le processus qui consomme le plus d'énergie au niveau du corps. La viande? D'accord. Non, la digestion en elle-même. Donc, plus le bol alimentaire, c'est-à-dire plus que tu manges, c'est complexe, à des moments en plus où le feu digestif est bas, parce que là, la problématique, c'est que nous, à la Zaogen, tu vois, il nous a mis ça, après, c'est une épreuve pour nous, mais ça a nous de gérer le truc. C'est qu'en hiver, effectivement, on a des temps de jeûne qui sont plus courts, donc on a des périodes où on s'alimente, qui sont des périodes qui se rapprochent des horaires de repas normaux. Donc là, on a un feu digestif qui est normal. Tu sais, d'un point de vue chronobiologique, on a des cycles, en fait, et tu peux pas aller contre ces cycles-là. Je te donne un exemple. La contraction-décontraction des intestins, qui s'appelle le péristaltisme intestinal, s'arrête à 22h, reprend à 7h30. C'est-à-dire que la digestion, en gros, grosso modo, elle s'arrête à 22h, 22h30, elle reprend à 7h, 7h30. Donc, si tu manges des trucs qui sont très très lourd à digérer comme du tagine, du couscous le matin, des choses comme ça, c'est chaud. Franchement, tu vas traîner ta carcasse toute la matinée. À midi, tu vas encore avoir le goût du couscous dans la bouche. Enfin, c'est pas top, quoi. Donc ça, c'est pour le sport. Vas-y, je vais juste récapituler, pardon, parce que c'est super important. Donc, tu te réveilles le matin, donc le breuvage, donc on a le replay, donc on va pouvoir savoir. Donc, trois grands verres d'eau, comme ça, tiède, avec du curcuma, du gingembre, un peu de poivre, etc. Donc, une fois que tu as fait ça, donc 10 minutes plus tard, tu manges des fruits, et donc ça s'arrête là. Tu peux soit t'arrêter là si tu es capable de tenir avec ça, parce que tu y a des gens qui peuvent. Moi, je tiens comme ça, pour être avec toi, je tiens comme ça. Ou sinon, je me rajoute des noix, des trucs comme ça, tu vois. Et pour les personnes qui ont vraiment du mal, tu te fais un gros bol, tu vois, de flocons de sarrasin avec, tu vois, par exemple, des raisins secs. Tu peux mettre des noix et vraiment. Flocons d'avoine, non ? Flocons d'avoine. En fait, ce qui se passe avec l'avoine, c'est que t'as certaines variétés qui présentent des taux de gluten qui sont assez élevés. Et en fait, on ne sait pas c'est lesquels. C'est ça le souci. C'est ça le problème avec l'avoine. Ok, d'accord. Donc, une fois qu'on a mangé ça, donc manger plutôt léger finalement, en fait, tu ne manges pas un truc lourd le matin. Ouais, mais en fait, comme je te disais, tu vois, les fruits, etc., c'est que tu peux manger beaucoup de fruits. Hein. Moi, tu vois, des fois, le matin, je mange 2-3 bananes, 2 pommes, une orange, tu vois. Parce que tu sais pourquoi ? Parce que ce qui se passe, c'est que les bananes, enfin les fruits en règle générale, c'est les aliments avec le contenu micronutritionnel qui est le plus fort et le plus simple à assimiler. Parce qu'en fait, nous on réagit toujours à « ouais, je vais pas avoir de glucides, je vais faire une hypoglycémie, tout ça ». Mais le plus important, Harry, c'est quoi ? C'est les vitamines que tu dois avoir, les minéraux, tu vois. Si tu manques un peu de glucides, tu vas être un peu crevé. Mais si à un moment donné, tu fais une carence dans telle ou telle vitamine, tel ou tel minéraux, ça peut avoir des conséquences délétères, voire dramatiques dans certains cas, tu vois. Okay. Exemple, le potassium qu'il y a dans les bananes, il va avoir un impact sur le fonctionnement du cœur. Et si les taux de potassium ils sont trop bas, tu vois, ça peut avoir des problématiques, tu vois. Tu peux avoir des problématiques de, comment dire, de... une arythmie, enfin des arythmies, des palpitations, des choses comme ça, tu vois. Donc là, si je mange ça, tu me certifies que je serai en forme toute la journée. Franchement, si tu manges ça, après, il faut s'habituer. Là où les gens risquent d'avoir des soucis, là, je mets parenthèse parce que la nutrition, c'est un sujet complexe. Il n'y a pas de... Toi-même, tu es à un moment donné, tu t'y es intéressé, tu as lu beaucoup de choses et tu vois, il y a tout et son contraire. Moi, c'est par rapport à ce que j'ai lu. Là où les gens vont avoir des petites problématiques par rapport à ce que je viens de préconiser, c'est les personnes qui mangent beaucoup de sucre, beaucoup d'index glycémique élevé. C'est les personnes qui souffrent le plus pendant la matinée.
Pourquoi? Parce qu'en fait, via leur alimentation habituelle, elles provoquent tout le temps des hypoglycémies, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu manges des céréales le matin, tu es en hypoglycémie derrière. Tu manges des pâtes blanches le midi, tu es en hypoglycémie derrière. Tu manges du riz blanc, tu es en hypoglycémie derrière. Tu mets du sucre dans ton café, tu provoques une hypoglycémie. Tu as ce qu'on appelle une fluctuation de la glycémie qui fait ça. Alors qu'il faut qu'elle fasse ça, en fait, tu vois. Lorsque tu manges, par exemple, des index glycémiques élevés, boum, ça monte, et puis derrière, tu as l'hypoglycémie réactionnelle. Et ça, c'est mauvais, tu vois. Et c'est ça qui fatigue les gens, en fait, en règle générale. Moi, je te donne mon exemple. Il y a quelques années, pour moi, Ramadan, c'était une galère. Mais c'était hoche de ouf. Franchement, je galérais. Il y a des fois, je le cassais avant. Je tenais pas, tu vois. Et là, je mange beaucoup moins d'index glycémique élevé, voire peu, voire pas du tout, suivant les périodes. Je pratique le jeûne intermittent. Et franchement, ces deux dernières années, Ramadan, je l'ai fait. C'est pas non plus. Voilà, je vais pas dire que je pétais la forme du temps, mais j'étais tranquille. Tu vois, je bosse, je fais ce que j'ai à faire, je gère mes niveaux d'énergie. Voilà, quoi, tu vois. Mais en tout cas, rien à voir avec il y a 2-3 ans. Et il y a 2-3 ans, je mangeais 4 repas par jour. Petit déj, déjeuner, goûter, dîner. Tu vois. Là, je fais déjeuner, des fruits à 4 heures, dîner. Tu vois, je jeûne le matin, donc je mangerai le matin. Et alhamdoulilah, tu vois, tranquille. Mon Ramadan, il passe. Et le soir, donc, là, par exemple, au Sahur, tu préconises quoi pour garder une énergie au top pour pouvoir aller justement faire le tarawah? Donc, manger léger, je pense. Pour l'iftar. Ouais, pour l'iftar. Alors, pour l'iftar, attends, je regarde ce que j'avais noté, parce que j'ai pris des petites notes. Oui. Alors, ce qui est très intéressant, déjà, je pense. Je vais juste vite fait, tu m'arrêtes si je me trompe. Je pense qu'en réalité, le gros problème aussi, c'est de commencer au top départ, tu sais, ce rééquilibrage alimentaire. On le fait top départ, premier jour du Ramadan. On pourrait commencer là maintenant et s'habituer en fait au fur et à mesure du temps. C'est se réveiller tôt le matin, essayer de manger quelque chose de sain, des fruits, boire de l'eau, tu sais, un peu le même programme. Mais si tu veux, on commence maintenant. Pour habituer le corps. C'est ça. Bah, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'il faut, comme dans tout processus, à un moment donné que tu amènes un changement ou tu vas être sur un mois qui va être important, il faut que tu aies une préparation. Cette préparation-là, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Il y avait donc la gestion du stress, reminéraliser le corps. C'est les fruits et légumes. Idéalement, fruits et légumes, c'est gorgé d'eau, concombre, pastèque, etc. S'hydrater le matin en first, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Régénérer le foie, donc ça c'est important. Si vous pouvez manger du radis noir, ça peut être intéressant, tu vois. Continuer à faire du sport, ça c'est très important. Diminuer le sucre progressivement. Et voilà, donc ça c'est pour la préparation. Après, pour l'iftar, déjà les choses elles sont bien faites, dans le sens où il est préconisé de manger des dattes et après d'aller prier. Sauf que souvent, moi en premier, à un moment donné, c'est ce que je fais, je mangeais des dattes et je tapais direct tout derrière. Sauf que les dattes, ce qui est ouf, c'est qu'au niveau scientifique, c'est un index glycémique élevé, très élevé, même plus que le sucre, mais qui présente aussi un contenu micronutritionnel très intéressant. Pourquoi c'est préconisé de les manger en premier? C'est que c'est assimilable très vite. Tu vois, étant donné que c'est un index glycémique plus élevé que le sucre, si tu les manges seul et que tu bois derrière de l'eau, et que derrière tu laisses le temps, tu vas faire ça te marrer avant de manger ton plat, ces dattes elles vont être profitables dans le sens où elles vont te provoquer un petit pic glycémique qui va te remettre en alerte, tu vois, suite à la fin de journée où tu es vraiment KO en général, tac, ça va te faire remonter, et puis comme ça tu pourras être tranquille, tu vois, pour ton plat, tranquille, ton plat principal avant d'aller faire talawer, quoi. Ok, magnifique. Magnifique. On va prendre quelques questions avant la fin. Alors, tac, 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 je remonte vite fait. Alors, je vais prendre celle de Mohamed qui dit Zitzitun. Bon, pas bon, comment ça se situe? Alors, Zitzitun, c'est bon. Après, ça dépend ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tous les corps gras ne sont pas forcément bons pour la santé lorsqu'ils sont cuits. Donc, zitzitoun comme ça, à froid, sur des légumes à la vapeur, c'est excellent. Tu vois, par exemple, le soir, ce que j'allais dire, tu vois, tu pries ton marlé,
Derrière, tu te mets des légumes à la vapeur de ton choix, ce que tu as envie de manger dans le petit panier vapeur. Tu fais par exemple quelques œufs à côté, des œufs bio, ou une petite escalope de poulet, ou un petit morceau de poulet, ou un petit morceau de poisson à la vapeur, idéalement. Pourquoi la vapeur? Parce que ça garde plus le contenu micronutritionnel et c'est digeste. C'est parce que ce qui se passe, c'est que tu fais des trucs en sauce, tu vas te retrouver saoul. Stratégiquement, c'est pas bon. Tu vas te lever le matin, le ventre il est encore gonflé, tu vas pas pouvoir manger le matin. Ouais, c'est Et vrai. l'idée, c'est de manger. Voilà, l'idée le soir, c'est de manger des choses qui te soient profitables et digestes. Tu vois, et le fait, tu termines ta laouer, tu dis, ah, j'ai digéré tranquille, tu vois, je suis bien. Donc l'idée, c'est d'utiliser Zizitoun, tu vois, en accompagnement à froid. Et là, par contre, ça va être profitable. Tu auras ta dose d'oméga, etc. Donc ça, c'est cool. Ok, parfait. J'ai une autre question. Le sport, à quel moment pendant le ramadan? Moi, honnêtement, personnellement, de par mon c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Moi, je préconise pas le sport pendant Ramadan. Ok. Pourquoi? Parce que on est, enfin, durant Ramadan, lorsque Ramadan tombe sur ces périodes-là, hein, c'est-à-dire des périodes où on est Les sur des jours jeunes qui sont de longs. 15, 16 heures, 18 heures, voilà, plus la chaleur, etc. Pourquoi? Parce que on est, ben, chaleur et déshydratation. Mauvais délire, mauvais délire. Mauvais Ok. délire. Et ça peut avoir des conséquences très, très néfastes sur le volume sanguin, sur le cœur, etc. Donc, moi, je préconise plus des exercices type yoga, tranquille, tu vois, des trucs qui te font pas suer, des étirements. Ça, par contre, ouais, marcher, un petit peu marcher. Mais ouais, par contre, il faut bouger, c'est faire des exercices posturaux, des exercices d'étirement, etc. Ne serait-ce que pour faire circuler la lymphe. La lymphe, c'est le liquide où tu as tes globules blancs, c'est les gendarmes du corps, en fait. D'accord. Je prends une dernière question et ensuite je te redonne la parole. Donc j'ai jus de fruits ou légumes. Alors j'ai deux questions. Jus de fruits ou légumes pressés à l'iftar, est-ce que c'est une bonne idée? Alors, jus de fruits, légumes pressés à l'iftar. Pressés à quoi? À l'extracteur, oui. À l'extracteur, D'accord. oui. Pourquoi? Parce que l'extracteur permet justement de faire sortir tout le liquide des fruits et des légumes sans garder, comment dire, les fibres. Même si on a besoin de fibres, là, en fait, c'est des fibres qui sont. Bah, tu vois, tu prends un légume cru, tu prends du chou cru comme ça, tu vois, c'est compliqué, c'est filandreux et tout. Alors que là, ce qui se passe, c'est qu'à l'extracteur, tu vas extraire le jus et c'est dans le jus où tu as le contenu micronutritionnel et le contenu minéral. Donc, du coup, tu te fais des verres comme ça. Et ça, moi, je dirais, soit à l'IFTA. Moi, à l'IFTA, je le fais en général, je prends ma date, je vais prier. Et après, en général, j'ai ma bouteille que j'ai pressée, balèze, tu vois, orange. Moi, ce que je fais en général, je mets orange, citron, gingembre, curcuma en racine, betterave. Tac, tac, tac. Et je rajoute un vert, tu vois, un truc vert, ça peut être soit de l'épinard, soit du chou, des choses comme ça. Mais je le passe à l'extracteur de jus, hein, c'est pas au blender, hein, d'accord? L'extracteur qui sépare l'eau et voilà. Et je me fais un verre comme ça, voilà. Directement après Marley, parce que comme ton tube digestif est vide, tu vas tout de suite assimiler les vitamines au niveau, tout va passer au niveau de ton intestin assez rapidement et tu vas assimiler les vitamines très très vite. D'accord. Et du coup, Ok. tu auras de l'énergie. Magnifique, on est dans le thème. Dernière question, et je l'attendais celle-là, c'est la bonne soupe marocaine. Bon ou pas bon pour l'iftar? La bonne soupe, c'est halala ou Attention, charma? attention, les mamans t'écoutent. Mais c'est la halala ou la charma, là? Parce que du Bah, coup, fais-moi un point c'est sur dur. les deux, comme ça on sait. Bah, je me souviens plus trop de ce qu'il y a dedans, mais je sais que c'est des soupes qui sont très très riches. Fondamentalement, elles sont pas mauvaises. Mais et d'ailleurs, si on les consomme depuis des années, c'est qu'à un moment donné, elles remplissaient leur rôle. Mais elles remplissaient leur rôle, je pense, historiquement, chez des personnes qui vivaient dans les montagnes et qui bossaient beaucoup. Et ils prenaient qu'un bol. Sauf que nous, aujourd'hui, on va prendre deux, trois bols alors qu'on est assis devant la télé, à Ouais. regarder deuxième, tu vois. Non, tu sais quoi, c'est quoi? Un bol, ça suffit. Sincèrement, en fonction des recettes de famille, un bol, ça peut Ouais, suffire. c'est vrai que c'est assez riche, hein. Je crois qu'il y a des pois chiches dedans, il y a plein de trucs. Mais Ouais.
Moi, perso, moi, je ne le recommande pas d'un point de vue stratégique. Pourquoi? Parce qu'elle va te rester sur le ventre, la soupe. Si tu la bois, tu vas te coucher pas trop tard. Pas trop tard derrière, tu vas te lever le matin, la soupe, elle va faire ça, tu vois. Tu Ouais, vas c'est pas vrai avoir qu'on envie dit de manger. Alors que ce qui se passe, c'est que stratégiquement, il faut trouver un moyen pour que tu puisses manger le matin. C'est primordial. Si tu manges pas le matin, ça va être encore plus dur. Si tu as mangé ce qu'il faut le soir, comme je te disais, des choses qui sont vraiment ces légumes vapeur dont je parlais tout à l'heure, avec ton filet d'huile d'olive, après, un truc qui est génial, c'est varier vos épices. Varier vos épices de fou, tu vois. Regarde, moi, j'ai ça, c'est une partie de ma batterie, tu vois. Et j'en ai plein Inch'Allah. d'autres encore, tu vois. Et moi, ce qui se passe, c'est que je varie à chaque fois, tu vois. Je varie et même en mangeant le même légume, j'ai des plats différents, des nouvelles saveurs. Et en faisant ça, et en variant aussi les huiles, l'huile de coco, l'huile d'olive, tu vois, l'huile de colza, l'huile de lin, enfin, tu as plein d'huiles possibles. Tu bénéficies de plein de contenus micronutritionnels et tu varies en fait tes recettes. Et bon, une shorba de temps en temps, c'est pas ça qui va Ouais, c'est te pas tuer. Mais grave. stratégiquement, voilà quoi, tu vois, c'est le matin, tu manges pas après. Mais tu sais, je te donne une idée comme ça, parce que franchement, tu sais, aujourd'hui, bon, quand je me suis intéressé à la nutrition, effectivement, j'ai eu accès à énormément d'informations. Alors, j'ai pas envie de te dire que, tu sais, on aurait dit que je faisais médecine, tu vois, que j'étais en train de passer un diplôme de. C'est hyper compliqué, hyper complexe. Ça m'a pas passionné des masses. Et je pense qu'aujourd'hui, le commun des mortels, ce dont ils ont besoin, c'est de conseils, comme tu viens de donner, et en même temps, comment les appliquer, c'est-à-dire des recettes. Type, voilà, si tu manges ça, bah, en fait, ça va te permettre d'être plus motivé, plus de spi. Si tu manges ça, tu vas dormir mieux. Si, vraiment des conseils comme ça de base. Justement, en fait, toi, aujourd'hui, pour faire la transition, aujourd'hui, toi, est-ce que tu proposes ce type de programme? Est-ce que tu proposes ce type de coaching? Est-ce que tu coaches les gens, justement, à ce niveau-là, ou pas? Ouais, donc moi en fait, ce qui se passe, c'est que dans la méthode de coaching, j'inclus le côté nutritionnel et j'essaie justement à travers. Moi au départ, en fait, j'envoie un questionnaire à la personne. Qui est vraiment complet sur ses habitudes de vie au niveau nutrition, au niveau pratique sportive, au niveau aussi état d'esprit, puisque ça, c'est important de prendre en compte l'état d'esprit de la personne pour pouvoir justement fixer les bons objectifs, y aller vraiment pas par pas, et puis justement atteindre l'objectif in fine. Donc, moi, j'essaie justement de comprendre ce que la personne mange pour pouvoir aussi lui donner des petits tips, des petites astuces, des petites Oui, recettes voilà, aussi adaptées au cas par cas. voilà, tu t'adaptes à la Voilà, c'est personne. ça. Parce que Ouais, si, tu sais, je carrément, mange carrément. des fast-food tous les jours et que du jour au lendemain, tu me dis, ah ben non, et ben maintenant, ça va être carotte pendant une semaine, tu sais, Non, c'est compliqué. Mais c'est non, vrai non. que souvent, les nutritionnistes prennent pas ça en considération. Tu vois? Bah, pourtant, c'est important parce que si tu veux impulser un changement qui soit pérenne chez la personne, tu es obligé de prendre en compte son point de départ. Et si son point de départ, tout de suite, tu veux l'emmener au point d'arrivée sans passer par le chemin, c'est pas possible, tu vois. Ouais, Et la ok. vitesse de parcours du chemin, elle est individuelle. Elle est individuelle. Il y en a, ils ont un vélo, il y en a, ils ont une moto, il y en a, ils y vont à pied, tu vois, chacun sa vitesse. Est-ce que tu as un programme en ligne aujourd'hui qui permette de, je sais pas, se débrouiller sans passer par du coaching ou parce que là, toi, tu proposes du coaching aux hommes. Par exemple, pour les femmes, Ouais. je pense que tu pourrais aussi donner des conseils à travers un programme en ligne. Est-ce que tu as déjà quelque chose comme ça ou pas? J'ai pas encore de programme en ligne à proprement parler. Pour le moment, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai des consultations WhatsApp gratuites de 10 minutes, justement, pour pouvoir commencer et que la personne puisse avoir, justement, comment dire, un point de départ, un premier contact. Et OK. qu'après, justement, qu'elle souhaite poursuivre ou non, justement, pouvoir approfondir par rapport à l'objectif qu'elle s'est donné. Durant ce coaching-là, on traite uniquement une question. Et puis après, la personne, soit voilà, on continue, soit on passe sur autre chose. Mais l'idée par la suite, ce serait, moi, le programme que je vais sortir, il va y avoir un programme plus axé activité physique qui va s'appeler Super La Joule 40 jours. Où là, l'idée, en fait, ce serait d'accompagner les hommes qui souhaitent justement soit reprendre le sport, soit qui ont un niveau intermédiaire, sur une activité physique, essentiellement axée sur du renforcement musculaire, musculation. Qui leur permet justement de sentir mieux. Là, on n'est pas dans un objectif vraiment esthétique, d'être, etc. Mais c'est plus vraiment de sentir mieux au jour le jour, c'est-à-dire être capable de jouer avec ta fille sans avoir mal au dos, être capable de porter tes coups, voilà, ce genre de choses.
Et après, par la suite, il va y avoir aussi un programme plus nutritionnel sur les deux aspects, c'est-à-dire soit, forcément, faut être sur l'objectif, sinon ça ne fonctionne pas. Soit il y a des personnes qui souhaiteront perdre du poids. Donc là, l'idée, ce sera un accompagnement via un programme en ligne nutritionnel qui permet justement de perdre du poids en respectant son intégrité physique. Et le deuxième, c'est la même chose, mais dans le côté prise de masse, parce qu'on a aussi des frères qui se considèrent peut-être un peu trop fins, etc. Ou ça peut être aussi des raisons de santé et qui ont tout essayé. On ne pense pas souvent à ces gens-là, dont je faisais partie il y a très longtemps. C'est vrai. J'ai essayé de grossir. Bon, bah, ça a marché apparemment. Non, mais c'est vrai, on ne pense pas assez aux gens qui, justement, sont fins et veulent prendre de la masse sans passer forcément par de la whey, des trucs un peu. Et voilà, c'est ça. Ouais. Parce que. Il y a beaucoup de gens qui préconisent tout de suite ouais, 6 repas par jour et tout, mais il y a plein d'études qui démontrent que la whey pour les athlètes, des choses comme ça, tu vois, même si elle est de bonne qualité. Donc, et pourtant, il y en a plein autour de moi, j'en connais plein, des hommes, des frères qui consomment ça. Après, moi, tant qu'on ne titille pas sur mon truc, je ne ramène pas ma science, tu vois. Oui, les gens, ils parlent. Voilà, tu sais, j'entends des choses. Après, à un moment donné, je me suis habitué parce qu'à un moment donné, j'étais là, je voulais tout arrondir. Dès que je voyais un angle qui était, voilà, j'essayais de l'arrondir. Tu vois. J'entends un truc, je fais non, mais mange pas ça, ça va te faire ci, ça va te faire ça. Mais voilà, après, à un moment donné, tu peux pas. Voilà, si par contre, non, les gens viennent me demander. En fait, l'idée, c'est aussi d'essayer de concilier les différentes croyances, les différentes approches. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est bien de faire du cas par cas en réalité parce que tu prends l'objectif dans sa globalité et il est dans un contexte. La personne a un objectif, c'est quoi son état d'esprit, est-ce qu'elle va pouvoir se dépasser ou non. Même tu sais, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Moi, des fois, des personnes qui viennent me voir qui me disent « Ouais, voilà, je veux me lancer dans le blogging. Bah, » Je pose quelques questions, je dis « Non, peut-être le blogging, c'est pas fait pour toi, tu vois. Peut-être que toi, c'est plus tel truc, tu vois. Et je veux faire un super lancement. Bah, c'est mieux que tu fasses un webinaire, c'est plus simple parce que tu es plus… » Donc, en fait, toutes les approches, quel que soit le domaine, il faut les réadapter à la personnalité de ton interlocuteur. Alors, je voulais juste rebondir sur un dernier point. Donc, tu m'as parlé d'un voyage. C'est ça, ouais. À l'îlot des Combes. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous y êtes allé. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et ce que tu as prévu, justement? Alors, en fait, c'est l'îlot des Combes, c'est une ferme agro-pédagogique. Et quel est le lien, en fait, avec le sport? C'est en gros ce que je voulais mettre en place avec le responsable des lieux, donc qui est expert en permaculture. C'est comment prendre soin de son corps et comment utiliser ce corps pour pouvoir prendre soin de la nature. Donc, c'est vraiment un prolongement. Parce que pour pouvoir prendre soin de la nature et pouvoir faire de la permaculture, travailler la terre, etc., il faut être en forme et en santé. Donc moi, à travers ce petit stage, ce petit week-end de 2 jours, l'idée, ce serait de transmettre des petites clés pour pouvoir prévenir, par exemple, le mal de dos, prévenir les problèmes d'articulation, ce genre de choses, savoir renforcer son corps, savoir utiliser les bonnes postures lorsqu'on travaille la terre, etc. Et puis après, Jean-Philippe lui va donner donc, tout ce qui est technique lié à la permaculture, pouvoir justement prendre soin de sa terre, pouvoir justement travailler son petit coin de jardin, si on a un petit coin de jardin en Ile-de-France ou ailleurs. C'est un petit peu ça l'idée. Ce sera en pension complète. Et c'est au Creusot. Voilà, c'est en Bourgogne. C'est pas très loin de Lyon. 1h15 de TGV de Paris. Et ça, c'est quand alors? Ce sera le 28-29. Alors, je te confirme la date. 28-29 septembre. Arrivé à partir du vendredi 27 au soir. Et le stage, ce sera 28 et 29 septembre. Donc, c'est le Rajul's Camp number one. Magnifique. Bah, franchement, dès que tu as un lien, quelque chose comme ça, tu nous dis comme ça, on le met dans le replay. Et comme ça, il y a combien de places qui sont disponibles? Parce que comme c'est petit… Il y a une vingtaine de places. Ça va aller assez vite parce que j'ai déjà quelques personnes qui m'ont donné leur accord de principe. Donc je pense que ça va aller assez vite. Et c'est le premier endroit où j'en parle pour le moment. Voilà. D'accord, génial. Bah, dès que tu as le lien, tu me l'envoies, comme ça on l'ajoute, Inch'Allah. Inch'Allah. Rachid. Une dernière question, Rachid. Qu'est-ce que tu dirais? C'est une question que je vais poser à tous les intervenants.
Qu'est-ce que tu dirais au Rachid, si tu avais un conseil à donner au Rachid d'il y a 10 ans, tu lui dirais quoi? Ce serait quoi le conseil? Allez, je remets la question. Je m'y attendais On n'avait pas préparé celle-là. Franchement, j'ai un truc qui me suis venu tout de suite, mais je me suis dit non, je vais pas le dire, je vais dire autre chose, mais là je vais le dire du coup. C'est vis tes rêves, réalise tes rêves, quoi. Point. D'accord, fais confiance en tes rêves et réalise tes rêves. Ouais, Magnifique. voilà, si C'est t'as un magnifique. rêve, fais fonce, c'est tout. Cherche pas à... Voilà, réalise tes rêves. Écoute personne, réalise tes rêves, t'as des rêves, réalise-les, quoi. Rachid, mille merci à toi. Mille merci. On va laisser C'est le moi qui te replay. remercie, frère. Est-ce que tu nous autorises à. Bon, on en reparlera après, mais tu sais, le replay, moi, franchement, il y a pas mal de trucs qui sont intéressants et que j'aimerais découper, voir avec l'équipe si on ne peut pas les découper et les balancer, notamment quand tu parlais des recettes et du programme pour le Ramadan. On en reparlera en off. En tout cas, Ouais, pas de souci. Baklaoufik. Ok. Et Wafik, mon est-ce que frère. tu. Là, ça va bientôt être l'heure de la prière ici. Est-ce que tu as un dernier truc à ajouter ou pas? Juste, n'hésitez pas à aller sur mon site Rajus Health. Donc, comme je vous disais, donc il y a 10 minutes de coaching WhatsApp gratuit. Et puis, pour pouvoir justement faire partie de ma newsletter, donc vous allez recevoir un mail. Vous pourrez avoir aussi accès à mon groupe Facebook, donc les Healthy Rajul. Donc voilà, donc tout simplement pour qu'on puisse garder le contact et que vous soyez au courant de mon actu, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver très très vite, Inch'Allah. Ok, bah écoute, moi je vais ajouter le lien sur le post. Alors les D'accord. impacteurs, moi le lien, je vais mettre dans. Enfin, le live restera donc dans les replays. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Rachid, ce que tu pourrais faire, c'est mettre les notifications par rapport à ce post. Et comme ça, tu peux répondre aux questions et être notifié si jamais les gens veulent approfondir certaines questions, Ok. Inch'Allah. Je te souhaite une excellente soirée. T'accorde la réussite de tes projets. Amin, Amin, Inch'Allah. Passe une très bonne soirée. Toi aussi, Inch'Allah. Saïd. Bonne soirée à tous les impacteurs. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Ouais, Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, les impacteurs. J'espère que vous allez bien. Donc, je voulais simplement clôturer, vous dire, bah, déjà dire merci à Rachid pour son intervention. Donc, tous les mardis, il va y avoir un live comme ça où j'inviterai une personne en particulier. Il peut y avoir plusieurs lives dans la semaine. Donc là, cette semaine, il va y en avoir un autre sans doute jeudi, Inch'Allah. J'inviterai donc un frère qui a lancé un concept qui s'appelle Adopte un prof. C'est une plateforme qui met en relation des profs et des élèves qui veulent réviser. Et il lance un événement de révision, un genre de bootcamp. Et voilà, j'ai trouvé le concept intéressant. Donc il interviendra sans doute jeudi sur le groupe, Inch'Allah. Et si vous avez des questions, vous pourrez les poser à ce moment-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite. Vous accorde la réussite dans les deux mondes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme ça, Eden.